Nous avons besoin de courage et de force pour passer par une période de dissonance. C'est par la peur de la dissonance et parce qu'on s'adapte au passé qu'on ne fait pas de progrès. Il ne faut pas s'adapter, il faut créer lentement. Ou peut-être bien plus que lentement, dans une immobilité mouvante, l'acteur s'avance dans l'espace scénique et en avançant annule cet espace, en construit un autre autour de son rythme propre. Lente avancée dans ce qui deviendra un espace mental partagé. Où la progression presque statique de l'acteur entraîne l'esprit des spectateurs qui lentement acceptent de lâcher les amarres du temps quotidien ou s'en vont. Il faudrait pouvoir photographier ces images mentales, vol d'oiseaux dans le ciel de nos têtes, vent derrière le vent, être se détachant de l'empreinte visuelle de l'être dont Claude Régis fait apparaître la secrète existence. Image mentale renvoyant au-delà de l'apparence figée du présent pour entrer dans le flou de sa composition jusqu'à atteindre des états refoulés sous la conscience. Silhouette d'archétype. Savoir que le comédien n'est pas Matisse, le personnage central des oiseaux, il est l'écriture à travers laquelle Matisse existe. Il est donc les mille fluctuations. Il est le frère demeuré de Hegge, celui qui voit ce que personne ne voit. Il est Hegge. Aussi, quand il porte sa voix, il est la part de l'auteur contenue dans le texte, le paysage nordique, ses habitants. Il est la lumière qui donne vie à ses mots. Il est tout à coup l'image de Johannes dans Ordette, marchant, les bras en croix au milieu des landes. Et à travers lui, il est aussi l'image du Christ, l'image déjà d'autres personnages émergeant de l'inconnu à venir, et il n'est rien de tout cela. Il est brume, brume où voguent les miroirs et où se noient les traits reconnaissables, mise en forme de la pensée informelle, prise de parole d'une autre parole, naissance d'un nouveau corps, patiemment ramené de la profondeur de l'ancien, et cela dont nous ignorons encore le nom. Comment le nommer?